Bien sûr, la différence entre dépistage, c'est vous avez une population et vous allez chercher une pathologie. Vous allez faire le dépistage d'une maladie. Par exemple, le cancer du sein, vous avez une maladie pour une population. Donc ça, c'est le dépistage, ce n'est pas le diagnostic. Maintenant, un malade pour un ensemble de pathologies. Donc, vous avez un malade qui présente certains symptômes et vous ne connaissez pas la maladie. Donc, vous êtes en train de faire quoi? Le diagnostic. Donc, vous voyez la différence entre dépistage et diagnostic. L'examen biochimique maintenant. Ce marqueur, comment peut-on, si vous voulez, l'évaluer pratiquement maintenant, pratiquement, de façon pratique. Donc, vous avez l'examen biochimique, hein, passe par un ensemble d'étapes, ces étapes, un processus, un macro-processus analytique du laboratoire. Ces étapes sont catégorisées dans la phase, trois phases, la phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post-analytique. Donc la phase analytique, pré-analytique, commence par la prescription jusqu'où la phase, la dernière phase, la dernière étape avant le traitement, avant l'analyse proprement dite. La phase analytique, c'est la phase de l'exécution de l'analyse proprement dite. Et la phase post-analytique, c'est la phase qui va commencer, qui va concerner le traitement, l'analyse, le traitement, la validation, la transmission du résultat, etc. Donc, pour la phase pré-analytique, c'est la prescription, le prélèvement, le transport, la réception par le laboratoire, le pré-traitement, l'alicotage, la conservation. L'alicotage, c'est quoi? C'est que vous avez un prélèvement et de ce prélèvement, vous devez faire plusieurs analyses. Donc, vous allez dispatcher ce prélèvement à plusieurs petits prélèvements. Donc, petit échantillon. Donc, c'est ça l'alicotage. Vous allez faire plusieurs alicots. Les alicots. Et la phase analytique, c'est l'exécution proprement dite de l'analyse. La phase post-analytique, c'est l'analyse des résultats bruts, la validation des résultats, le commentaire, l'interprétation, le compte-rendu et l'archivage. Et bien sûr, toutes ces étapes-là doivent obéir aux exigences de qualité. Ça veut dire toutes les étapes doivent se conformer aux exigences d'assurance qualité pour avoir un résultat fiable. Et si n'importe quelle étape n'obéit pas à ces exigences, vous aurez un paramètre ou bien un résultat non fiable. Et là le message, le laboratoire n'est pas fait pour exécuter une analyse. Le laboratoire, elle est fait pour assurer la fiabilité des résultats. Entre autres, bien sûr, parmi les grandes missions. Autrement dit, vous voyez que les trois étapes, mais qu'il n'y a aucune responsabilité du laboratoire. Donc, là, le message. À les trois étapes, il n'y a aucune responsabilité du laboratoire. Pour les patients, bien sûr, hospitalisés. Je dis bien pour les patients hospitalisés. Ou là, les patients externes. Pourquoi? Parce qu'un patient externe et le médecin qui a envoyé le malade n'a pas préparé le patient pour le prélèvement, par exemple, arrêt de traitement là, chez Haja, donc il se peut qu'on aura des résultats erronés. Donc, si le prélèvement a été mal fait, donc automatiquement, on aura des prélèvements, des résultats erronés. Si le prélèvement a été mal conservé, le service, chez le laboratoire, donc la même chose. C'est le temps, le délai entre le délai de
de l'envoi des prélèvements n'a pas été respecté. Ça veut dire le prélèvement d'Alf Sibah Omar Sef Taltnash. Donc, on aura des résultats erronés. Et ainsi de suite. Donc, la conclusion, c'est que pour avoir un bon résultat, un résultat fiable, la contamination, c'est pour les essais B, par exemple, les examens cytobactériologiques, ou n'importe quel examen bactériologique, s'il y a une contamination, les urines, ils ont été collectées d'une façon qui ne respecte pas les exigences, donc automatiquement, vous aurez un prélèvement contaminé. Donc vous aurez plusieurs bactéries, plusieurs agents infectieux, et le microbiologiste ne sait pas celui qui est responsable de la maladie, de l'infection, parce que le prélèvement a été contaminé. C'est clair? Donc, le message, c'est que tout le monde doit adhérer, doit adhérer aux bonnes pratiques de laboratoire. Ça veut dire que tout le monde doit respecter les exigences de la prescription, du prélèvement, du transport et bien sûr les autres responsabilités du laboratoire pour que le résultat soit fiable. Ça ne sert à rien. Parce que n'importe quelle phase, n'importe quelle étape qui ne répond pas, non conforme, qui ne répond pas aux exigences, elle peut fausser tout le processus de l'analyse. Est-ce que le message est clair? Ça veut dire autrement, je dis un exemple. Le patient, le prélèvement est effectué chez la voix qui reçoit le sérum glycosé. Et vous envoyez votre prélèvement au meilleur laboratoire du monde. Est-ce que vous aurez un bon résultat? Ça ne sert à rien, donc. La même chose, le délai d'envoi, il est très lent. Ça veut dire que vous avez fait votre prélèvement à 8 heures et vous envoyez le prélèvement à midi, après 4 heures. Donc, certains paramètres, ils vont être dégradés. Certains paramètres, ils vont être utilisés par les cellules qui se trouvent dans le sang, dans le prélèvement. Vous êtes d'accord? Parce que les cellules sont vivantes. D'après. Et vous envoyez votre prélèvement au meilleur des laboratoires du monde. Est-ce que vous aurez de bons résultats? Non. Donc, d'abord le message. Maintenant, la prescription et le prélèvement. L'azido par exemple, prescription, prélèvement. Donc, le formulaire de demande d'examen doit mentionner le nom, le prénom, l'âge, le sexe. Bien sûr, ça c'est l'identité du malade. L'âge, le résultat n'a aucun intérêt entre population, entre enfants et adultes. Allez, parce qu'un résultat positif pour l'enfant peut être négatif pour l'adulte, ou le contraire. Ça veut dire que le résultat, il est normal pour un enfant, il se trouve anormal pour l'adulte. Donc, il est obligatoire de mentionner l'âge. Il est obligatoire aussi de mentionner les sexes. Comme j'ai dit, les hormones. La testostérone, l'œstrogène, la femme, bien sûr, physiologiquement, elle est l'homme, par définition. Donc, bien sûr, il y a toute une différence entre le sexe masculin et le sexe féminin. Pardon? Oui, l'origine aussi. Mais là, l'origine, plus ou moins l'origine. Ah, vous me dites, oui, bien, d'ailleurs. Plus ou moins, par exemple la glycémie, est-ce que j'ai besoin de l'origine? Diabète diabète européen, l'asiatique, diabète ou autre diabète. Le cholestérol, est-ce que j'ai besoin de l'origine? LDL, talatala, habtabad. Maintenant, le paludisme. Oui. Le paludisme qui est dans certains pays ou qui est dans d'autres pays. D'accord. L'hémoglobine,
L'analyse de l'hémoglobine, oui, l'origine elle est importante. Parce que le bassin méditerranéen, par exemple, il y a la bêta-thalassémie. Les patients asiatiques, il y a l'alpha-thalassémie, par exemple. C'est clair? Donc pour certains, vraiment certains, quelquefois certaines pathologies, l'origine elle est très importante. Mais pour les autres examens, l'acide urique, la biochimie, donc les protéines, n'a aucune importance. Vous êtes d'accord? Parce que le paramètre est les fonctions de la maladie. Plus ou moins, l'origine. Plus ou moins, ça veut dire c'est facultatif. Facultatif, mais ça devient obligatoire dans certaines situations, pour certains diagnostics. Voilà. L'identité de l'établissement demandeur, c'est important parce que, par exemple, certains établissements, certaines analyses, on peut faxer, on peut envoyer le résultat par courrier, etc. Le service, les cliniques, le cabinet, l'adresse, la même chose pour l'envoi des résultats, la correspondance, le nom et la signature cachée du médecin demandeur. Numéro de téléphone pour les demandes urgentes. Donc, par exemple, pour un examen urgent, je dois absolument avoir le numéro de téléphone parce que, avant d'envoyer, juste après l'obtention du résultat, la validation, je dois téléphoner parce que tellement l'examen il est urgent que je vais pas attendre l'envoi par un coursier, etc. Parce que le résultat il est tellement important. Tellement urgent. C'est clair? La signature, etc., bien sûr, pour avoir une prescription conforme. Une prescription qui n'est pas cachetée et signée par un médecin, donc, c'est une prescription non conforme. Donc, je ne peux pas. D'ailleurs, les organismes d'assurance, pour le recouvrement, vont rejeter tout dossier qui contient une ordonnance non cachetée et non signée par un médecin. Le diagnostic ou renseignement clinique, bien sûr, ils ont toute une importance, Alèche, parce qu'un patient diabétique, par exemple, ou d'être la glycémie, je suis en train de faire la glycémie, donc c'est normal que je trouve la glycémie normale, en fait élevée. Un patient qui reçoit les anticoagulants, c'est normal que je vais avoir, sous AVK par exemple, un TP allongé, un TP bas. Ça veut dire un temps de coagulation allongé. C'est clair? Donc, c'est renseigné. Un patient thalassémique, par exemple, c'est normal que je... Et ainsi de suite. C'est clair? Un patient qui présente un VIH positif, c'est normal que je vais trouver le titre. Donc, ces renseignements, ils vont aider à l'exécution des analyses. Bien sûr, ça va épargner le temps et l'effort du personnel. Parce que si je n'ai pas ces renseignements, je trouve un profil. Donc un liquide LBA ou n'importe quel liquide, il peut se confondre, il peut se confondre avec un LCR par exemple. Parce que du sputum, un dôme clair, bien sûr, en dehors des méningites. Donc c'est pour ça que la nature elle est importante. Fais tout. Parce que tout le paramètre indiqué, il y a les valeurs normales d'IELO. Donc si les valeurs normales d'IELO, le LCR, mais sûrement les valeurs normales d'un autre liquide, il y a les urines, par exemple. La date et l'heure, c'est important aussi, parce que certains paramètres changent de valeur physiologiquement entre le jour et la nuit. Le cortisol, donc à minuit, physiologiquement, on a une valeur basse, la plus basse. Le matin, à 8 heures, on a une valeur la plus grande. Donc, si je fais le prélèvement à minuit ou la l'île, automatiquement, j'ai une diminution de cortisolémie. Ce n'est pas parce que le patient présente une hypocortisolémie, mais parce que le prélèvement a été fait à la nuit. C'est clair? Donc, il faut respecter l'heure de prélèvement. Prochain tour. Le traitement médicamenteux en cours, comme je vous ai dit, par exemple, les anticoagulants, etc., ça peut influencer le résultat. Voilà, donc, Adila,
la plateforme du CHU pour la prescription, pour prescrire un bilan biologique. Voilà, et on aura cette, bien sûr, la prescription maintenant, elle est électronique, vous voyez. Il y a la, le cachet, la signature du prescripteur, il y a l'identité du malade, hein, l'âge, DLO, etc. Automatiquement, le service demandeur, les renseignements cliniques et l'identité code à barre de l'échantillon. Donc vous voyez, donc dès qu'on scanne ce code à barre, on aura tous les renseignements du patient. L'heure de prélèvement de la demande, chaque paramètre, le code DLO. Et vous voyez, donc il n'y a aucune chance d'avoir des confusions, les lettres, l'écriture n'est pas claire, ou là, ou là. Donc, vous voyez que... Voilà. Maintenant, les milieux biologiques utilisés, les milieux biologiques, bien sûr, le milieu biologique le plus utilisé, c'est le sang. C'est le sang. Donc, et dans le sang... Les différents types utilisés, on a des tubes avec les différentes couleurs des bouchons. Vous avez les couleurs vertes, jaune, rouge, bleu, noir, violet, gris. Donc il y a d'autres couleurs qui ne sont pas... Voilà. Donc on va voir le tube sans anticoagulant. Ça veut dire, vous avez deux, les deux, rouge, jaune. Donc vous avez les tubes secs. Bouchon rouge. Donc les tubes avec gel, contient un gel de polymère activant la coagulation. Bouchon jaune. Là, parce que